Juju n'est pas là, les souris dansent. Afin de tracer l'axe médian à la mandibule, nous prenons comme repère les deux trigones postérieurs sur lesquels nous divisons la distance en deux et repérons le repère postérieur de l'axe. En antérieur, nous utilisons le repère de l'axe médian reporté sur le bourrelet mandibulaire. Et voici l'axe qui se trace. Pour le tracé de l'axe médian au maxillaire, nous utilisons en antérieur le repère de l'indice de Lee ou la papille bunoïde et en postérieur, nous utilisons le point médian entre les deux fossettes palatines. Ainsi, l'axe se trace. Le talon des incisives mandibulaires doit se placer dans l'aire d'Ackermann. Elle se trace en prenant comme limite antérieure le fond du vestibule et comme limite postérieure le sommet de la crête mandibulaire. Les incisives devront impérativement se situer dans cette surface. En ce qui concerne les dents mandibulaires postérieures, elles doivent se placer dans l'aire de Pound, avec en arrière le repère du trigone et en avant la pointe présumée de la canine. Deux triangles se dessinent alors, ce sont les aires de Pound, dans lesquelles l'axe des crêtes se situe. Afin de situer l'aire de positionnement des dents postérieures au maxillaire, le repère antérieur est déterminé par la projection des pointes canines sur la crête maxillaire, ici déduite grâce aux indices de Lee. Pour placer les pointes canines sur les crêtes, le prothésiste peut être amené à utiliser une plaquette de montage transparente. Comme à l'image, nous voyons, il positionne le centre de la plaquette sur la papille et l'axe médian de la plaquette se calque sur l'axe médian du modèle. Ainsi, les deux axes latéraux divergents donneront le positionnement des canines sur les crêtes. Dans notre cas, il permet de vérifier la concordance avec les indices de Lee. En postérieur, l'aire de positionnement des dents sera déterminée par les limites internes et externes de la tubérosité maxillaire, formant ainsi un triangle entre la pointe présumée de la canine et les limites postérieures. L'axe des crêtes maxillaires se détermine entre en avant la position de la canine et en arrière le quart externe de la tubérosité. L'axe des crêtes se situe donc à l'intérieur de la surface de positionnement des dents. Le positionnement du bloc incisivo-canin maxillaire est compris dans une zone limitée en arrière par une droite passant par la papibunoïde et les pointes des canines, et en avant, environ 8 mm, par une droite toujours pareil perpendiculaire à l'axe sagittal médian et passant le plus souvent par le fond du vestibule. Lors de l'enregistrement de la relaxion intermaxillaire et de la validation du bourrelet maxillaire, ce dernier a été sous-évalué en regard de la 23. Lorsque nous traçons un cercle symétrique, nous constatons qu'en regard du secteur 2, le bord externe du bourrelet est en dedans du cercle. L'arcade étant plus résorbée à ce niveau, le praticien est resté sur ses bases et n'a donc pas plus projeté le bourrelet en extérieur. Un des compromis aurait été de sortir légèrement de l'axe des crêtes conventionnel et de placer la pointe de la canine plus en extérieur. C'est le choix qui a été fait avec le prothésiste afin de rétablir une symétrie plus harmonieuse du positionnement des dents et pour visualiser la validité de ce futur montage, des comparaisons ont été faites avec des images sur ordinateur de la patiente. Un nouvel axe des crêtes se dessine plus en extérieur
ainsi qu'une courbe plus convexe sur le plan de montage individuel en regard du secteur 2. Nous projetons le repère des aires de positionnement des dents sur l'entablement des modèles maxillaires et mandibulaires. Une fois montés sur articulateur, nous pouvons analyser le rapport intercrête. Ici, à droite de l'image, correspondant au secteur 1 et 4, les aires de positionnement ne se chevauchent presque pas et les dents devraient être positionnées presque en inversé d'articulé. Le compromis, pour rester en articulé normal, sera d'appliquer une courbe de Wilson suffisante. En angulant les dents sur un plan frontal, comme les tracés réalisés en noir à l'image, permettant une confrontation la plus adaptée des molaires mandibulaires et maxillaires. Dans le plan sagittal, les rapports intercrêtes sont bons. L'aire d'Ackermann mandibulaire s'intègre bien dans l'aire de positionnement des dents maxillaires.